le Bitcoin, typiquement, on a toujours peur aux jeux. Il y a plein de gens qui osent s'aventurer dans le Bitcoin, mais depuis quelque temps, ça c'est un peu ralenti. Enfin, ça augmente pas beaucoup parce que les gens, ils osent pas s'aventurer dans un no man's land monétaire que tout d'un coup, un État ou plusieurs États pourraient invalider. Ils pourraient décider que c'est hors la loi, qu'ils vont arriver avec la cavalerie. Oui, mais tout dire, à fait. Bon, mais c'est qui a mis de l'argent là-dedans? Parce que nous, c'est ces expériences-là, on les ramasse, on les saisit. Ces expériences-là prennent fin la plupart du temps. Alors, quelquefois, c'est parce qu'ils en créent trop, et donc ça fait de l'hyperinflation, la monnaie vaut plus rien. Donc ça, évidemment, il faut... Mais l'intérêt des monnaies locales, c'est que ça permet une éducation populaire où nous apprenons que c'est facile de créer de l'argent, mais il ne faut pas en créer trop. Donc ça devient une... c'est une école citoyenne, hein, de réflexion sur la monnaie. Bien sûr, et là, moi, justement, tu dis ça... Mais quand elles échouent, c'est surtout parce que les banques les interdisent, les banques centrales les interdisent. Les interdisent, et ce n'est pas du tout non nécessaire. C'est non nécessaire, ce n'est pas du tout une fatalité. C'est juste une crapulerie des banques centrales. C'est ça, il y a ce risque politique. Et puis après, il faut que ceux qui s'occupent au niveau local d'imprimer ces billets, ils soient eux-mêmes intègres. Qu'ils en surimpriment pas, ils ne dévoient pas cette monnaie. Il ne faut pas qu'il y ait de faux monnayeurs. Il ne faut pas qu'on ait à l'échelle micro-locale les mêmes travers qu'à l'échelle de la vraie banque centrale qui en imprime trop et qui en photocopie et ça devient du papier Monopoly parce que c'est, à petite échelle, ça peut aussi arriver. Il y a le problème d'intégrité au niveau d'un État, il y a le problème d'intégrité au niveau de la communauté, puis après au niveau de l'individu. Et donc, pour moi, ça ne disparaît pas, ce risque-là, de créer de l'inflation en abusant de